Foire paysanne, c'est bien sûr à Florensac, c'est ce week-end, le 13 à partir de 9h avec Julie, Olivier et Yann qui sont des jeunes coopérateurs de la cave Flores. En quelques mots, la cave Flores, c'est qui, c'est quoi ? Bonjour, nous sommes les jeunes coopérateurs de la cave Flores du coup. Flores, c'est une petite cave coopérative, c'est la plus petite cave coopérative du bassin de Thau située à Florensac. On est une toute petite cave coopérative qui est produisant du Picpoul, des Côtes de Thau. On a une belle structure, un joli pôle œnotouristique avec un caveau assez moderne où on reçoit pas mal de public, on fait des dégustations. On est hyper fiers de notre nouveau caveau. Et c'est pour ça qu'on voulait fêter l'anniversaire de Flores. Du coup, Flores, c'est un joli pôle œnotouristique qui comprend du coup le caveau, le resto avec Florescence. Notre chef Nicolas Gros à Florescence fait des accords mets et vins avec tous les produits, les producteurs locaux. Il met en valeur les producteurs locaux et fait des accords mets et vins avec nos bouteilles. Et la Flores, c'est aussi une salle de réception Alphonse Garrigue qui nous permet de recevoir recevoir du public et de faire des jolies soirées comme on s'apprête à le faire pour fêter les nains de Flores. Voilà. Parfait, très belle présentation, hein, si je peux me permettre, ça nous fait très plaisir. J'avais une petite question qui me turlupinait, que j'ai essayé de vous poser tout à l'heure, j'espère que cette fois-ci vous allez bien pouvoir l'entendre. Le monde paysan s'est révolté il n'y a pas très longtemps, comment se porte le monde dans lequel vous vivez avec votre cave ? Tu réponds ? On va dire que c'est un sujet un peu sensible, quoi, et qu'on ne veut pas le lier à l'événement qu'on organise ce week-end. D'accord. Donc, du coup, voilà. Si on peut en parler un autre jour ou un autre moment, oui, mais là, non. D'accord. Donc, ça reste quand même des sujets qui sont. Parce qu'à partir du moment où. D'actualité. Voilà. Ouais, c'est des sujets sensibles, voilà. D'actualité. Voilà. Mais... Donc, ça veut dire que tout ne va quand même pas pour le mieux, quand même, pour les viticoles. Donc, ça peut être toujours intéressant, pourquoi pas, de refaire une émission spéciale uniquement là-dessus. C'est l'agricole qui... C'est pas que les viticoles, c'est vraiment l'agriculture en général. Oui, non, mais on l'a bien compris d'une façon ou d'une autre. Hein. L'agriculture, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Il faut trouver absolument des solutions. C'est vrai qu'on n'est pas là pour en parler. On est plutôt là pour parler de cet événement, bien sûr, qui va se passer. Alors, c'est un premier événement, j'ai envie de dire... Le temps de mettre, quand on prépare un tel événement, lorsqu'on met tout en place avec une programmation assez riche, comment on se sent à quelques jours de cet événement? On a un peu les chocottes, on transpire un peu? Non, on a hâte. Franchement, on a hâte. C'est vrai que c'est beaucoup d'organisation, mais c'est aussi franchement un grand plaisir de rencontrer, en fait, avant l'événement, de pouvoir échanger avec tous les producteurs locaux qui se sont inscrits sur la foire. On s'aperçoit qu'on a vraiment une grande diversité de producteurs qui seront présents sur l'événement et c'est un plaisir, voilà, de pouvoir échanger avec eux avant l'événement. On a hâte de pouvoir les rencontrer à la foire et puis pourquoi pas de garder contact pour la suite, quoi. Voilà. On l'a bien dit, hein, foire paysanne, ça veut dire que vous avez à peu près combien de stands déjà de réservés ? On a 24 stands et on n'a pas de doublons, c'est-à-dire qu'on a une très très belle diversité des producteurs. Il y a vraiment de tout. Il y aura de la charcuterie d'un domaine, il y aura de la viande de bœuf, de la viande de brebis. Il y aura des coquillages, il y aura de la viande, oui, bon, de la viande de porc. Il y aura des plantes aromatiques, des huiles essentielles. Il y aura un apiculteur. Maraîcher, franchement, on a une très belle diversité et pour ça, même avant avoir ouvert les portes du marché, on est très fiers de pouvoir les accueillir. Ça a été pour vous, lorsque vous avez eu l'idée de faire cette manifestation-là, de faire cet anniversaire-là, ça a été aussi pour vous quelque chose de très important de pouvoir sélectionner des gens du local ? Oui, mais après, on ne les a pas sélectionnés, on a demandé à ce que ce soit eux qui s'inscrivent. Et voilà, c'est pas nous qui les avons sélectionnés, c'est eux-mêmes qui se sont inscrits de leur propre gré
sur la foire paysanne pour venir participer à cet événement. D'accord, mais vous avez un petit peu jeté un petit coup d'œil quand même, parce que si... Oui, on n'a pris que des producteurs, on a pris, voilà. On n'a pas pris de... Voilà, pour la première édition, on s'est vraiment concentré sur les producteurs et non pas les artisans. Voilà, ça c'est aussi très important de le dire. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça aussi, hein. Il y a toute une animation musicale, il y a des jeux pour les enfants, il y a de la restauration, bien sûr, ça c'est sûr. Justement, comment on s'occupe de ces animations musicales? Parce que je sais que c'est quand même un travail d'organiser tout ça, de mettre tout ça en place avec les jeux pour les enfants. Donc nous faisons venir un groupe de musique, le groupe de musique qui jouera durant la soirée le soir, durant la journée il va jouer de l'accordéon. Puis nous avons une peña de Florença qui va jouer durant le marché à plusieurs horaires. Et puis la structure gonflable d'un fabricant très proche de Florença qui nous l'a fournie pour la journée. C'est local, pareil. Très local. C'est local. C'est local. Et puis on précise, il y a aussi le chef Nicolas Gros qui lui sera au rendez-vous pour, on va dire, un petit peu garantir cette touche culinaire. Oui, exactement. Le restaurant sera ouvert durant l'événement, donc en espérant qu'il y ait pas mal de monde durant l'événement et que ça attire beaucoup de personnes de la région pour découvrir tous les producteurs locaux que pas grand monde connaisse. Et que Nicolas aussi sait mettre en valeur parce qu'il travaille déjà avec des producteurs qui seront présents sur le marché et il les met déjà très bien en valeur dans ses assiettes. Et oui, et alors, donc on a dit, voilà, la foire, des stands... de la gastronomie, de la musique, du vin, de l'onéologie, il y a un petit peu de tout. L'objectif, c'est que les gens puissent passer la journée complète directement sur place. Ils pourront rester autant de temps qu'ils veulent, parce que les producteurs vont faire à manger pour le midi. Donc du coup, ils pourront se restaurer le midi. Après, il y aura la restauration le soir aussi. Donc du coup, ils peuvent rester autant de temps qu'ils veulent, quoi. Ça commence à 9h, ça finit à 1h. S'ils veulent faire la journée et la soirée, tout est possible. Oui. Vous attendez. La journée, ça. Vous attendez. La journée, ça sera une foire. Oui, vas-y, pardon, excuse-moi. La journée, ça sera une foire, donc avec tous les producteurs sous forme avec des dégustations de vin et de bière. Et puis le soir, ça se transforme en une soirée avec un DJ, un groupe de musique et des producteurs qui descendront à la salle Alphonse Garrigue pour pouvoir faire à manger pour les personnes qui souhaitent continuer avec de la musique et puis une bonne ambiance. Qu'est-ce que vous attendez d'une fête comme ça? Qu'est-ce que vous recherchez en organisant une fête comme ça? De la proximité avec les gens, vous faire un petit peu plus connaître? C'est ça, l'objectif, c'est vraiment de mutualiser la clientèle. On a choisi les producteurs se sont présentés, on a discuté avec eux et pour la plupart, c'est des producteurs qui font de la vente directe sur leur exploitation ou qui font déjà des marchés, donc ils ont leur clientèle. Comme on n'a pas de doublons, l'objectif, c'était vraiment de mettre en commun toute cette clientèle qui était sensible au circuit court. La rassembler en un seul endroit pour que chacun puisse rencontrer d'autres producteurs et pouvoir comme ça favoriser le circuit court et pouvoir se faire connaître aussi, évidemment. Eh oui, et alors vous avez, grosso modo, en fermant les yeux, en vous concentrant, vous espérez avoir combien de personnes? Aucune idée. Non, c'est aléatoire. Aucune idée. Normalement, le temps sera au rendez-vous, donc on espère que ça fonctionne. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que les gens qui soient présents soient attentifs à ce qu'on propose et se régalent. Après, le nombre, c'est pas ce qui va faire la qualité de l'événement. C'est vraiment l'état d'esprit des gens qui vont venir. Est-ce que lorsque les gens vont venir participer à cette foire, s'ils vous rencontrent, est-ce qu'ils peuvent vous poser des questions sur votre métier d'aujourd'hui? Parce que je suppose que votre métier d'aujourd'hui en 2024, comparé dans les années peut-être 80 ou 70, il a dû forcément changer, évoluer. Tout à fait, ils pourront de toute façon sur l'événement, il y aura plus d'une dizaine de coopérateurs présents sur l'événement à différents stands. Donc tout coopérateur pourra parler avec les personnes qui viennent pour expliquer le métier, le vin, les présenter les vins et puis il n'y aura aucun souci. Eh oui, parce que ça c'est important, les gens sont curieux, ils ont besoin de... Ils se posent plein de questions et c'est important d'y répondre. On vous rappelle l'événement Foire Paysanne, c'est à Florensac, juste si les gens se disent mais... Florensac, c'est où ça? C'est à quelques kilomètres de Pézenas. C'est un Pézenas, voilà. Sortie d'autoroute de Bessan.
Voilà, sortie d'autoroute de Besson. Je suppose que tout est mis en place pour pouvoir accueillir les gens. Ça veut dire en termes d'accessibilité, de parking. Oui. Oui, oui. Il y a un très grand parking. Ouais. Et bien sûr, l'entrée, elle est gratuite ou payante ? Gratuite. Entrée libre. Voilà, entrée libre. Et bien sûr, après, pour les consommations sur place ou pour acheter les produits, bien sûr, il faut mettre la main un petit peu au portefeuille, mais c'était tout à fait normal. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Je sais que c'est pas évident. La technologie, des fois, ça nous joue un petit peu des tours. En tout cas, merci de votre patience. On vous rappelle l'événement qu'il ne faut pas manquer, c'est ce samedi 13 sous le soleil. En tout cas, on croise les doigts pour ça. Et je vous rappelle, vous qui regardez cette émission, vous pouvez leur faire gagner un reportage, on leur enverra bien sûr, s'il vous suffit de taper le numéro 2 que vous voyez en gros de l'écran. Et s'ils ont plus de 30 votes, on enverra bien sûr une équipe de tournage directement sur l'événement pour leur faire un beau petit reportage. Et puis donc, vous aurez, si les gens votent pour vous, vous aurez un magnifique reportage. Voilà, et bien ça, je vous l'ai dit. Ils m'entendent plus, je sais. Ils m'entendent plus, on les a perdus. En tout cas, voilà, c'est pour ce week-end. Tapez-nous. Salut. Non.